Axel Meryl pose son regard sur Kim Makoso, son père Makoso réagit. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le controversé pasteur, Camille Makoso ne badine pas quand il s'agit des membres de sa famille. Après son affront médiatique avec l'amoureux de Lolo Beauté, c'est au tour du prétendant de sa fille, Kim Makoso, de se préparer face au pasteur, qui ne manque aucune occasion de tacler. Il s'agit de l'humoriste béninois, Axel Meryl, qui s'intéresserait à sa fille. Axel Meryl devra s'armer de courage face à Makoso. La raison, en plein live sur le réseau social TikTok, l'humoriste a dragué publiquement la fille du général, Kim Makoso. Un acte face auquel le père de la jeune fille n'est pas resté silencieux. Une histoire d'amour entre Axel Meryl et Kim Makoso? C'est la nouvelle qui fait jaser la toile, principalement le réseau social TikTok, depuis quelques jours. Très active sur les réseaux sociaux, la fille aînée de Makoso semble intéresser le jeune humoriste. Dans un live sur TikTok, il n'est pas passé par quatre chemins pour montrer ses intentions à la jeune fille, surtout quand il envisage effectuer un voyage pour la rencontrer. « C'est ma cruche, je serai à Abidjan en avril prochain », a-t-il déclaré. À la question de savoir quel serait son genre d'homme, Kim a répondu ceci: « Du moment où il s'occupe de moi, il prend soin de moi, il me respecte, il respecte ma famille, et ce que je fais, il aime, ça va. » Quand je dis prendre soin de moi, c'est-à-dire faire ce que mon papa fait, deux fois plus, a prévenu la fille aînée de Camille Makoso. Une discussion à laquelle la jeune entrepreneur a bien voulu associer son père. Invité à participer au live, le frère aîné de Lolo Beauté a tout de suite posé ses conditions au prétendant de sa fille. Ce n'est pas sur TikTok qu'on parle de ces choses, quand je mettais ma fille au monde, ce n'est pas sur TikTok que j'ai parlé avec sa maman. On va parler face à face. Donc, tu dois venir à Abidjan, me rencontrer en face à face, homme et homme, et tu vas me dire quel genre de causerie tu veux faire avec ma fille. Pourquoi, comment et pour quelle finalité, d'un air très sérieux, s'est fait entendre Camille Makoso.